Bonsoir tout le monde et bienvenue pour l'épisode 12 de Dragon's Dogma 2. Comment allez-vous? Je vais changer un talent. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vais changer un talent qui ne me sert à rien. Ok. Là, il me dit que c'est à gauche. Au-dessus? Ah, d'accord, il brille carrément. Ah ouais. Comment on fait pour aller au-dessus là? Bon, ben, on verra plus tard. Bon, ben, je vais le laisser en fait, ce talent. Alors, nous avons des missions à faire, bien évidemment. Nous pouvons aller faire l'exil forcé. Tout le tralala, un voile de nuages de soie. Enquêter sur les intentions qui dissimulent la lettre inachevée. Partagez votre découverte avec le Dauphin. Portez à Isaac le second tome. On va pas le faire. Rendez visite à Fulvio, un sculpteur habitant en Battle. Et suivez le mendiant au fil de sa journée et tâchez de le découvrir. Où il tire son argent. Alors je sais comment résoudre cette quête. Et je vais pas le faire de suite. Voilà. Je le ferai plus tard. Je pensais du coup. Aller par là, suivre la quête qui nous dit d'aller en exil forcé, peut-être, ou même apporter le fléau à Phaesus. Juste à côté, côté sud. J'ai cru pendant un moment que c'était Bulma, mais non. D'ailleurs, faut que je change le. Faut que je le fasse de suite, faut que je change. La. J'allais dire la catégorie, non, la classe de Bulma. Que je puisse la faire mettre en archère. Il semble que c'est l'archère qu'elle doit faire maintenant. Alors, changer de classe. Pas pour moi, pour l'archère. Enfin, pour l'archère, pour Bulma. On va passer archer. Voilà, elle s'équipe de tout. Elle peut faire les tirs groupés, les tirs circulaires. Évidemment, les tirs célestes. Bien évidemment. Avec le coup de pied sauté, bien évidemment. Et les talents. Alors. Nous avons pour les talents. Réduire la communication de quand vous subissez des dégâts. Ouais, ça peut être bien pour elle. Augmente votre capacité à briser, non. Pousser, tirer, augmente votre vie maximale, non. Hargne, augmente votre force, oui. Réduire l'endurance consommée quand vous accrochez un ennemi, quand vous débattez, quand vous portez le coup. Réduire les probabilités d'être prise pour cible par les ennemis, de servir pour elle. Augmente votre vitesse de récupération de l'endurance. Il me faut le truc de. Augmente le poids maximal, voilà, qu'elle peut porter. Permet de soulever ses ennemis. Augmenter la restauration de vie. Réduit la durée des effets négatifs. De l'endurance, ouais, ça peut être bien ça, voilà. Ok, comme ça on est bien. Il m'en manque combien? Il m'en manque encore 15. Hop, on va donc la vider de son stuff. Et uniquement de son stuff. Et ouais, on va garder la cape sur le côté quand même. Hop. Et on fera le tri sur les capes pour elle plus tard. Pour l'instant, on va. Bah tiens, ici il y a le coffre. On va l'utiliser. Hop, on va déposer tout ça. Tatat. Alors, pour elle, nous avons le meilleur arc du jeu que j'ai pour l'instant. Hop. Nous pouvons effectivement lui mettre un petit turban. Alors, un petit bandeau de prophète, là. 240, 220.
269, 269. Ah ouais, c'est précis le truc. Bim, bam, bam, bing, bam, bam, bing, bam, bam, boom. 250, 210. Ah, ça peut être bien ça. Du style comme ça. Nous avons ceci, ensuite. Tunique gracieuse, effectivement, nous pouvons lui mettre celle-ci. 344, 279. Ah oui, ça claque un peu en plus. Ça fait des bons effets. Titatatitatata. 287, 258. 321, 290. Ça, c'est bien. Je regarde, excusez-vous, excusez-moi. Voilà, et nous allons trier un peu qu'est-ce qui peut le mettre comme cap. Pour trier un peu dans tout ça. Voilà, histoire qu'on voit qu'est-ce qui peut bien lui aller. Alors. Hop. Hop, le petit arc, bien évidemment. Son petit chapeau. Voilà. Et nous allons voir du coup qu'est-ce qui irait bien avec cette tenue. La cape de velours, après, elle va très très bien avec. Mais celle-là aussi, elle va super bien avec la cape cérémonielle, là. Bim bam bam bing bam bam bing bam bam boom. Bing bam bam bing bam bam bing bam bam boom. Tout va naître, tout va shit, ah, top. Ouais, je regarde le manga Mashle hein, que je recommande. Si jamais vous voyez pas un peu ce que c'est, imaginez One Punch Man dans l'univers de Harry Potter. Voilà, vous avez le topo. Je vous laisse découvrir. Très très bon manga Mashle, Mashle. Je suis en train de chercher, de réfléchir. Je crois que c'est celui-là le mieux hein, que j'ai. Après, il y a celui-ci. Celui-là ou celui-là? Ah, celui-là gâche trop la couleur. Alors que celui-là, ça rappelle un peu les bottes. Du coup, ça fait très très bien. Hop. Allez hop, on dépose. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois poser? Non. Ok, tout ça on garde parce qu'on en aura besoin. Oh, on a besoin de tout ça. On peut déposer. Pour en avoir besoin. Ok, et toi? Un Pouing mur ici. Pas de bête, pas de rusty patate mur. Ok. Ah, j'aurais 4 scarabées là. 0,20 pour ça. Ok. Très bien. Déposer l'onyx. Qui est Pokémon 20 mondes, qu'il faudrait que j'aille en vendre d'ailleurs. Et on est bon. Ok. On va aller vendre ce qu'on a en trop. Et on peut partir. To the next, to the next. Non. Les raisons, oui. Alors, vendre, voilà. Hop. Bulma, redonne-moi cette EG. Non. Bulma. Hop. Et ceci. Et voilà. Et tout ça, c'est bon. Alors j'ai une pierre de 4 pierres de réveil plus 3 ici. Donc on peut en donner quand même une à Bulma.
Oh, de forme, moins de poids. Ensuite, est-ce que nous avons d'autres que je peux donner à Bulma au cas où? Ou au cas échéant? Ouais, non, ça va, ça devrait être bon. Allez, on va essayer de s'y faire avec cette classe. On a pas trop le choix. On peut y aller par là. Je sais pas s'ils accepteraient. Ah ah! Bim bam bam bim bam bam bim bam bam boum. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam boum. Wop 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 wop. Arrête! Et voilà! Celui-là il est fait. Hop là. Allez, c'est parti pour l'aventure. Pendant ce temps, palais de la flamme porte scellée. Oh, du lore. Phésus. Ok. Phésus qui est suivi par beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un temple. Et à mon avis, c'est juste pour sonner l'heure du goûter. Absolument rien par ici. Bon, peut-on passer par ce mur du coup? Ok. C'est parti. Ce serait bien qu'il fasse meilleur là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh shit. C'est qu'il est sacrément gros quand même. C'est ce qu'elle disait. Allez, concentre sur le jeu, hein, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises. J'avoue. Hein. Ouais, tous nous écraser, effectivement. J'espère qu'on va pas l'affronter de suite. Que vu la classe de merde que j'ai, surtout qu'en plus elle est que rang 1, ma Bulma, avec la classe qu'elle a. Après, elle a un équipement de malade, un peu comme moi donc. Allez, allez. Oh, elle... Ah, tiens. Moi qui me demandais où vous trouvez ça. Ah, bah oui, il y a aussi des. Non, je crois pas que. Je crois pas que... Je sais pas si ça, ça peut le faire là. Si ça donne des fausses ailes, ça. Je
Ok. Allez, tout le monde est enragé. Ah merde. Réussi à faire ce que je voulais. Non, non. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je peux pas le... D'accord. Je peux pas le faire sur lui. Mais il attaque Phévisus. Pourquoi il s'attaque à Phévisus? Et je fais comment, moi, pour le battre avec la classe de merde que j'ai? Ah, merde. Pas dit. Allez, allez, les filles. On va récolter ça en attendant, écoutez. Tant qu'il est là, on en profite. Oui. Eh oh, mon perso. Oui. Heureusement que, en tout cas, la caméra elle aide beaucoup là. Pas du tout bugué le graphisme. Pas du tout bug visuel. C'est pas vrai. Allez, filles. Ah, ils essaient de l'ignorer. Mais il a détruit le pont. Comment... Ah, on peut passer par là-bas. Je vais faire comment pour le battre si j'ai pas de... Bah de quoi le battre en fait? On tire illusoire S. Vous avez regagné l'île volcanique d'Agamen. Est-ce qu'ils vont reconstruire le pont? Ou pas un jour? Tu m'expliques comment on fait pour le ralentir? Parce que moi je veux bien, hein. Tu m'expliques comment je peux faire, moi je veux bien, hein.
Ok. Oui. Blé. Tout va bien. Est-ce que je peux mettre l'effigie sur ça? Ouais, je peux. En sang du berserker. Allez, allez, on attaque s'il vous plaît. Allez, Aurelius. Si tu peux te dépêcher un peu, ça ferait pas de mal, tu vois. Ah, c'est donc un beau titan, quoi. Allez, allez, on se repose un peu. Mais c'est pas sur lui que je voulais le faire. Sur ce point faible là que je veux. Ah voilà. Je te fais un mur. Et je te fais un autre mur. Parce que j'en ai envie. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Merde. À quoi ça sert? À rien. Annulé, voilà. Voilà. Oula, je suis en train de tomber dans le vide là. Dans le vide, vide. Oui. Voilà. Tout va bien. Allez. On attaque s'il vous plaît les points faibles là. Je ne sers à rien, c'est super, j'adore. Je crois que je vais recharger la sauvegarde et je vais changer de classe. Hein. Tout ce que je fais ne sert à rien. En plus, je tombe comme un caca.
Je vous jure que je fais tout ce que je peux. Hein. Je fais aucun dégât, c'est super, j'adore ça. Par contre, qu'est-ce que je fais du pognon, hein? C'est super, c'est génial. Est-ce qu'il y a une autre baliste quelque part? Oui, là il y en a une. Allez. Ah oh, putain, pas assez haut. C'est super, c'est génial, j'adore. C'est génial! J'adore rire! En tout cas, la classe est super bien pensée pour... Ouais. C'est super bien, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu veux, hein, pour... Quand tu veux pour te relever, merci. C'est que ça. Est-ce qu'il y a des choses? Oui, là. Ah. Heureusement que je suis un mage, hein. Que je peux servir à des choses et tout, là. À l'aide, faites-moi tourner. Eh merde, c'est super, c'est génial, j'adore. Quand tu veux, Bulma, pour me faire tourner. Merci Bulma de m'avoir aidé en tout cas. Heureusement que t'étais là. Je suis en train de galérer, quoi. C'est fou comment je sers à rien, quoi. J'ai l'impression de faire aucun dégât. Je crois que j'ai tué des alliés. Ah mais il en a un dans le dos ici.
Ah non, c'est déjà un trou qu'il a. Pâté. Hit, s'il te plaît. Hop. Et pierre de réveil, vas-y, les éclats de pierre de réveil, on a fini là, ouais. C'est génial. Oh. Ah ouais, ça va en tirer deux en même temps. Ah oui. Ah, il est tombé dans un trou. Visez les pieux. Je suis ton maître. Va en avant. Suis les ordres de ton maître. Et vins. Oui. Oh merci Bulma. Oh tu es mignon. Ok c'est génial. Je t'ai mis le berserk. Non je t'ai pas mis. Je t'ai mis c'est bon. Ah mais il a un bras en moins. Ouh. Vas-y Aurelius. Attaque-le. Ce fils d'unijambiste. Ah non, on avait dit pas libère. Fils du Nijambiste et roi des graines. Je ne mange pas de graines. Vite, 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 vite. Ah, il en a un dans le cœur là qu'il faut que je vise. Couché. T'as rien dans l'œil ici. Il a plus rien lui. Merde, je voulais traverser avant, pas eu le temps. Faut que je traverse ici. Allez, fais des dégâts. Allez. Et rusty patate là. Non. Non mais arrête. Ah oh, mais trop tard maintenant. Le temps que je tourne.
Il est mort. Il est mort, salope. Ouh. Eh ben. Voilà. Mais je ne t'ai pas parlé. Pourquoi il serait trop lourd mon sac? Il est léger, qu'est-ce que tu te fous de moi? Ah non, c'est bon, tout le monde est là. Ah mais il se dirigeait droit vers la lave après. Et genre la lave ça fait pas de dégâts pour lui. Mais allez, s'il te plaît. Merci. Très bien. Je vais me servir un petit coca. C'est bon, les présentations du... du Grand True a été fait. Ok. Ça ne servait à rien que j'ai le genre. D'accord. Je crois qu'ils ont tué quelqu'un, mes persos. Pas mes pions. J'avais pas une mission par ici. En passant, exil forcé, remettez la lettre. Entrée de la tour Sélène. Ishiningo a tomatta ka, ayaui tokoro datta na. Keganin no chiryou wa owatta ka? J'ai tout fait pour le pantin. C'est moi qui ai tout fait. Hontoni daijoubu nan da rou na? Sono kiken wa nai nda. Shinpai ne sare. Kiko wa tada mite ireba yoi. Ryu wa arawareru ga sore wa wa ga ii no mama. Kiken ga oyobu koto wa nai. Ah, il y croit un peu trop, lui. Il sera sous mon, sous mes ordres, ouais. Ce sera un faux dragon, ce sera pas un vrai. Hein. Parce qu'aucun dragon ne se soumet. Car ce soir, ça va se savoir. Waouh! Ça ne sert à rien. Dans un orpiterie, des centres de pièces d'or. Ok. Ah, il est là. To the next one, tu... Alors. Bling bam bam bling bam bling bling bam bam boom. Bling bam bam bling bam bam bling bam bam boom. Putain, j'ai cette chanson dans la tête, je suis désolé. Hein. Oh. Ça s'arrêtera pas, hein, je pense.
des framboises, du poudre d'éveil. Oh là, oh. Oui.今、不当思い出した話があるんですが、我々が異界に渡るとき、ある病に感染することがあるようです。それは周囲の人々をも巻き込む災いになると聞きました。かかった本人に自覚はなく、ただ妙な高揚感があるらしいですね。そうなってしまうと、各社の人たちは無視し始めると、そんな病があるとは自覚できないとしたら厄介な話です。 Et je fais comment? Dites-moi tout, oui, c'est là. Ah, un coffre. Minerai fuligineux. Oui, oui. Non! Ouais. Tout va bien. Bon, il te met l'aile, j'ai mal. Par là. Et là, il est perdu au-dessus. Hein. Me casse des bonbons. Alors qu'avec la technique du chevalier mage, j'aurai aucun problème. Car voyez-vous, la meilleure, l'une des meilleures classes quand même, non ? Chevalier mage. Trou. Il y a un gros trou. Non, c'est pas par là. Poussez-vous. Excusez-vous, poussez-moi, poussez-moi, excusez-vous. C'est toi? Ah, ouh. Un nœud de mobilité empêche totalement l'accumulation de pétrification de son porteur. Oh, ça va être intéressant. Quand modeste, ordinaire, d'explorateur, du poids, des lanternes, potions, transpire. Il y a déjà plein de transpire. Ouais, non, j'ai rien de... J'ai rien en trop. Alors. Oh, coffre. Non, et non, oui, non. Arrête de monter partout, bordel de cul. Les mots me manquent pour décrire la chose que nous avons délogée. Nous devons immédiatement signaler cette découverte car je crains qu'elle ne puisse avoir de graves conséquences. Je perds. Je perds mon oxygène. Ginet. Un berserker là. Raté. Gobelin des montagnes. Bim bam bam bling bam bam bling bam bam boum. Cornes de Minotaure, ah ouais. Et cornes noircies. Mm-hmm. La
Berserker pour tous. Rien de particulier. Il fait nuit. En fait, la classe que j'ai serait bien pour un pion. Mais pour un pion, quoi. C'est le problème, c'est que c'est pour un pion. Et mon dada ! Oh merde, t'es sérieux ? Voilà. Ouais, niveau 55. Je galère pour tuer des monstres, mais bon, c'est pas grave. Faut se dire que cette classe va vite partir, hein. Je vous le dis très très sincèrement. Elle va partir à une vitesse, cette classe merdique. Oh. Ah. Raté. Putain, mais sérieux, j'arrive pas à le choper. Tellement dur à choper. Oh là là, je suis que en 5. J'ai pas envie. J'ai pas envie de le jouer. Oh. Oh. Très bien. Pierre cuivrée. Cuivrée de pierre. Attends, c'est pas ici d'ailleurs que je dois mettre... que je dois remettre la lettre. Non, c'est derrière. Oh. Ah, je l'ai manqué. Ah, c'est ballot. Ah, elle était au village d'avant. Oh. Oh. Comment ça, je peux pas revenir en arrière ici? Je comprends pas. La route est bloquée? Parce que j'ai tendance à bloquer. Bloquer. La route est cassée. Bon. Voilà, voilà. J'ai fait comment pour venir ici si la route est cassée ici? Je ne comprends pas! Mais enfin! Je ne comprends rien. Je crois que je vais changer de classe avant de continuer. Histoire d'avoir au moins quelque chose qui soit intéressant à jouer contre le boss ou je sais pas quoi là, parce que là j'ai l'impression que je vais jouer. Je vais faire un truc merdique. Je vais prendre Chevalier Mage, je pense. Chevalier Mage, c'est vraiment, il est vraiment très cool. Vraiment très cool comme classe et très intrigue. Intuitif à prendre pour moi. Taxi, tomaritai nara dozo.
Alors, changer de classe. Alors, j'ai percé du dragon, c'est ça, ouais. Main à vide. Une version avancée de main à vide. Ça, je peux le pour remplacer s'il y a besoin. Parce que c'est pas vraiment ouf. Ça, c'est super. Et ça, c'est cool aussi. Donc, alors, il y a expulsion. Lance des petites cibles au loin, les retirant ainsi du combat. Celle-ci n'accorde aucune expérience et ne lâche pas d'objet. Ouais, bof. Gougnir. Libère la magie emmagasinée dans la lance double. Consomme de l'endurance pour charger la lance double en prenant la posture. Et inflige des dégâts proportionnels à l'endurance consommée. Transfert vital. Consomme de la vie et de l'endurance pour charger instantanément. Ouais, bof. J'avoue que Gougnir à la place de main vide. Avec une plus grande portée et qui tire d'une décharge plus puissante et plus rapide. Et je crois que les autres, c'est pas foufou. Voyons voir. Est-ce que permettant de soulever les cibles plus éloignées. Hop. Satisfaction. Votre force, la commission de juge de perte quand vous subissez des dégâts. Votre vie maximale améliore votre capacité à briser la garde de votre adversaire. Augmente l'or obtenu, augmente la vitesse des déplacements quand vous portez ou soulevez quelque chose. Votre force pendant la nuit, pendant le jour et votre magie pendant la nuit. Augmente le nombre de cristaux ou de feuilles reçues. Quand vous obtenez des fragments de feuilles. Polarité, ça peut être bien contre... contre ça, augmente la force. Ou alors contre ça, augmente la vie maximale. On s'en fiche un peu, ça. Permet de soulever. Augmente votre endurance max. Votre lanterne. Moins de points et éclaire plus de zones. Augmente les dégâts infligés en frappant avec partie vitale. Réduit l'accumulation de jeux de perte, émet des sons et des clignotements quand vous montez. Ça peut être bien. Contre. Ouais, ça a pugnacité. On va déposer notre merde là. On va retirer notre ancien stuff. Alors. ...754 Oui. Alors, que pouvons-nous prendre comme... Ah, on peut prendre la capuche de moine. Ok, ça baisse trop. Ça baisse trop. Trop aussi. Bah, en fait, ouais, ben... Bah... L'eau est très bien, alors. Bim 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 bim. Alors ça, armure de conviction, effectivement. Genouillère. Non. 336, 189. Ah ben c'est le mieux. Hein. Et au niveau des caps. Peut-être la cape du commandant qui est bien. C'est que j'aime bien le style en tout cas. Bon, voyons voir. Oui. Alors. Mm-hmm.
Ouais. Alors, celle-là. Ouais. Ouais. Ouf. Ouais. Bon, celle-là fait en sorte qu'on montre un petit peu la cuirasse quand même. Celle-là est très très bien. Celle-là est super aussi. Elle est vraiment bien en fait, la cape du commandant, parce qu'elle montre vraiment bien le style de l'armure et tout. Alors, déposer. Ta-ta-ta-ta-ta! Hop, alors, tout ça c'est bon. Ok. Ok. Le coffre privé est plein. Ah oui, c'est de Stantley, ok. Très bien. Ok. Parce que j'ai tendance à bloquer. Quantité de vie maximale, bof. Augmenter légèrement la défense et la défense magique de son porteur, bof. Entre en résonance avec la magie qu'il contient. Réduit les dégâts de feu subis, bof. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme bague, moi? Ouais, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est le truc à l'arc. Pourquoi j'ai ça? Je sais pas. Augmente légèrement l'expérience obtenue en vainquant des ennemis. Augmente légèrement la quantité de vie maximale. Augmente la vitesse de récupération de l'endurance. Ça peut être bien ça. En attendant, hop. Augmente moyennement la charge maximale que tu peux porter. On va plutôt les donner à Bulma au cas où. Oh, attends, je suis susceptible de faire tomber la veste. Je crois qu'on est bon. Main gauche. La vie maximale, on s'en fiche un peu. Est-ce que j'ai pas un truc qui augmente la force? Création d'huile. Renforce le lien unissant la personne qui le reçoit. Augmente légèrement l'expérience obtenue. Bah, on va donner à Bulma celui-là. La place de celui-là. C'est la droite. Hop, voilà. Histoire de dire qu'au moins on est bien. Alors. Peut-on dormir un coup? Histoire que tout le monde recharge sa vie, etc. Ils vont y voir si des gens ont utilisé ma Bulma. Votre pion est revenu de part de la feuille. Ok. C'est reçu 995. Vaincre Griffon. Une victoire par de la feuille. Cool. Quelqu'un a vaincu un Griffon avec ma. Tout entreposé. Très bien. Paramétrer une nouvelle mission de web. Ouais, bah ouais, pareil, on va faire. Hein. Apporter un badge de ça. Et on va mettre. Peut-être un objet pour remotiver les gens. Je sais pas. Peut-être un matériel.
Objet de valeur, je sais pas. Médaille magique. Magique! Le problème, c'est que je sais pas de quoi auraient besoin les gens en fait. Un pavé de bête affiné, hein, ça peut toujours servir, mais. Est-ce qu'ils vont être contents les gens que je donne ça? Ils vont plutôt préférer de l'or, je pense. Même si c'est pas fou, mais. En fait, j'ai que ça, je pense. Que je vais pas donner une pierre de réveil ni rien, quoi. Ok. Ouch. Ça commence bien. Ok. Oula, oula. Non mais, arrête de faire ça. Mais il glisse pour rien, c'est chiant. Mais non, mais... Putain, mais j'avance doucement, merde. Je vous jure que je fais tout doucement avec l'analogue, mais... Il veut pas. J'ai peut-être une idée. Sinon, s'il veut pas. Ok. Je vois pas comment, sinon. Ça me casse les bonbons. Je suis désolé, mais. Mais non, mais monte pas! Mais qu'est-ce que tu fais? Monte! Enfin, descends de cette échelle, bordel! Ah, voilà. Merci. Ah, ça me rendait fou. Je suis désolé. Oh oh. Aïe. Être arrêté de tomber. Quoi? C'est pas de ma faute. Les gens, ils oublient de mettre du sol, quoi. Alors. Qu'avons-nous ici? Un grand vide de rien. Je suis où, bordel? Ok. Parce qu'il fout ici à poil le mec. Mais... Très bizarre. Hop, ensuite. Il part au-dessus alors. Au nord-est. Qu'est-ce qui s'y trouve? Bah là où j'avais sauté dans le premier épisode. Juste après être parti du château des esclaves. Mais c'est ici le château des esclaves? C'est de là où je viens ou pas? Ah ouais. Bah oui, chantier d'excavation, c'est ici. C'est d'ici que je viens. Ah. Qui a-t-il? Que s'est-il passé? Vous devriez vous reposer au moins pour la nuit. Il devrait y avoir un lit de libre au quartier. Ne vous pressez pas de prendre la route avant d'avoir fini vos préparatifs. Croyez-en mon expérience, vous ferez mieux de... Mais qui tu... Me parle pas? J'ai déjà fait ça. J'ai même changé de classe pour me prévenir et tout. Je sais pas s'il y a un New Game Plus pour Dragon Dogma 2. Je viens de me demander, comme ça. Tour Selene.
sont là-bas. Bien évidemment. Aimez-vous. Ah, raté. C'est ballot. Alors. Comment ça s'utilise? Ah ouais, je dois quand même viser. Ah ouais. Je suis obligé de viser manuellement, d'accord. Ça se vise pas automatiquement. Ça, c'est un peu chiant, ça. C'est un peu dommage. Dispositif. Bling, bang, bang, bing, bang, bang, bing, bang, bang, boom. Arrête d'avoir cette chanson dans la tête. Ça suffit maintenant. Mais dada, ça ne sert à rien de courir. Je sais pas où je suis. Ah, mercenaire. Yali, nous sommes enfin ennemis. Très bien. Ben, beaucoup trop facile. J'ai mené une sale vie, pas triste de l'avoir se terminer. Au moins, je suis mort au combat. C'est un pas certes, mais nous n'avons pas le temps de nous réjouir. Mais... Bah, mec, t'es gênant, reviens à la vie. Salut. Ah bon? Ah, ils ont pas prévu le coup que je veuille le... Ah, ils ont pas prévu de... Oh, je suis déçu. Ils ont rien prévu, si on le réanime, il dit pas merci ou quoi que ce soit. Oh, je suis déçu, il dit rien. Oh non, les développeurs. Peux-tu dire au moins un merci ou je sais pas quoi, enfin bref. Tant pis. Bon, moi il est pas mort. Hein. C'est mes pierres de réveil, je fais ce que je veux avec. Hop, élixir universel, cool. Calmez-vous. Je vous jure que j'ai la même chanson en tête depuis tout à l'heure, elle arrête pas de tourner en boucle. Aïe aïe aïe. J'aurais pas dû regarder ce manga juste avant de jouer. Alors... Dragon, entends mon appel. Ta volonté m'appartient désormais. Enfer, la véritable... L'arrivée du véritable insurgé est pour le moins inopportune. Hachimonar de Vermund, le rituel ne doit pas être perturbé. Ne laissez pas l'insurgé approcher. Vous pouvez au moins vous occuper de cela. Quelle grosse blague.
Et merde! Waza! Merde, j'ai plus de... Hop, on termine. Ouf. Faut que j'aille à Ada. Ah. Vos efforts sont vains, Surger. À présent, voyez l'ordre de ce monde vide et stérile être remodelé par ma main. Tu crois qu'une pâle copie de Dragon va vraiment t'aider? Nous devons tous nous libérer de cet ordre pernicieux, où l'existence du dragon est omnipotente. Et si le vrai dragon arrive alors? Qu'est-ce que tu vas en dire? Donc tu disais que ton dragon là, il était cool. Hein? Et il s'est juste assis dessus, hein, littéralement. Ah oui. Et puis il lui crache dessus, quoi. Soyez maudits, insurgés. Vous nous avez tous condamnés de nouveau à ce cycle. Mais même sans moi, le dragon l'aurait détruit, hein, tu sais. Te voilà donc, insurgé. Es-tu résolu à me faire face? Alors réponds à cette question. Pourquoi te bats-tu? Est-ce pour reprendre ta chair? Ce cœur que je t'ai dérobé? Ou serait-ce pour t'emparer du trône qui t'est dû? Je te propose de faire un choix. Offre-moi la vie qui se trouve entre mes griffes et disparaît d'ici. Ou bien reste et affronte-moi. Pitoyable insurgé, l'heure est venue pour toi de faire ton choix. Montre-moi la voie que tu emprunteras. Abandonne, tu vivras pour t'emparer du trône. Intéressant. Est-ce là ta volonté? Notre discussion est terminée. Il nous faut accomplir nos devoirs respectifs. De dragon et d'insurgé. Grimpe sur mon dos.
Nous partons pour notre véritable arène. Oh. Tu aspires à déconstruire la volonté du monde, tout comme moi. Sais-tu seulement ce qu'il adviendra de ce même monde si rencontré à tel destin? Il deviendra erratique, fragile, dénué de sens, chassé du cycle. Il n'engendrerait plus qu'un terrible et prodigieux chaos. Survivre dans un tel monde ne serait pas chose aisée. Ma mort ne changera rien ce monde, la tienne non plus d'ailleurs. Questionne-toi, insurgé. Comment en es-tu arrivé là? Comment les chemins qui jadis t'étaient inaccessibles se sont-ils ouverts à toi? Réfléchis bien, insurgé, mais ne tarde pas. C'est par la force de ta volonté que ta réponse me parviendra. Brise, idée du soir, bienveillance qui régit ce monde. Insurgé, âme pitoyable chaotée par les caprices du destin. Me profonderas-tu ou seras-ce l'inverse? J'ignore le dénouement de ce récit. Car il était déjà écrit avant même l'aube des temps. Et pourtant, insurgé, bien qu'elle soit née au destin que la chance a oublié. C'est peut-être ta volonté et elle seule qui pourra s'opposer à la volonté immuable de ce monde. L'heure a sonné, il est désormais trop tard. Nous devons décider d'un vainqueur et est ainsi. Et ainsi, ajoutons un maillon de la chaîne qui anime ce cycle. Dis-moi, insurgé, à quoi aspires-tu? Veux-tu pourfendre le dragon et ainsi libérer le monde des ténèbres? Ou cherches-tu seulement un puissant ennemi auquel te mesurer? T'en es-tu rendu compte? Même notre combat ici est prédestiné. Était prédestiné. Allez, allez. On rajoute sur elle. Bien raté. Ah, le cœur va se libérer. Allez.
Oula, oula. Allez. Tu vas où comme ça, mon gros? En fait, c'est mieux hein, le triangle que le carré. L'assaut mixte, je veux dire par là. Merci les rusty patates. Allez. T'arrêtes de voler, bordel! Vite, vite, vite. Allez, en avant, les filles. Merde, il s'est envolé. Allez. On reste accroché. Le cucu. Wow, wow, wow. Hop. Ah, j'utilise toutes les rusty patates que j'ai, hein, je vous le dis. Allez, tout le monde attaquer. Bulma, il faut que tu me donnes d'autres pierres de réveil. Elle est trop loin, super. Donne-moi deux... Non, oula, je les jette pas, non, s'il te plaît. Allez, deux pierres de réveil, même un de plus. Je dirais pas non. Est-ce que j'ai des extraits de sauvagerie, des trucs comme ça? Oui. Ok, ça augmente la défense. Elle a ça. Ok, on met ça aussi. Ok. Bah, la faille creuse. Bah, elle est crevée. Vite, vite, vite. On la raya. Ah,
Le bouclier qui a été mis au bon moment. Oh merde. Kamehameha! Kamehameha! Allez. Oh. Ha. Mais t'es pas dedans, Aurelius. Voilà. Comme homme. Oh. Faut que je sois proche ou quoi? Ah, t'aimes pas la tête, hein? T'aimes pas qu'on te focus la tête comme ça. Ah! En plein cœur. Hélas, je suis vaincu. Mais écoute-moi bien, Surgé. De la part la volonté, le monde forme une spirale. Un cycle sans fin. Tout est prédestiné, et ma mort par ta main ne fait pas exception. Toutefois, ta volonté peut être assez grande pour mettre un terme à tout ce, à tout cela. Tel est le cycle de la vie, le cycle du combat. Un gagnant, un perdant. Ah, c'est déjà fini ? Ah, mais la quête principale est si courte que ça ? Oh bon. Ok, parle pas. English voice cast. Et voici notre nouveau roi. Insurgé Roger. Deux mètres quinze et 130 kilos de muscles.
Salut, salut, oui, je suis le roi. Je peux pas lui saluer? Pourquoi me suis-tu insurgé? Tu as accompli ton devoir, n'es-tu pas satisfait? Non, je veux plus d'aventure. Serais-tu en quête d'une plus grande reconnaissance? Peut-être souhaiterais-tu régner sur le monde entier? Ah. Si c'est le pouvoir que tu convoites, il te suffit de trouver le chemin qui t'y mènera. Le choix t'appartient, Surgé. Seule ta volonté a le pouvoir de changer le cours de la rivière du destin. Tu persistes à t'opposer à ton destin? Comprends-tu seulement la folie d'une telle décision? Même le battement du cœur que tu as retrouvé est né de la volonté immuable de ce monde. Et pourtant, tu voudrais l'abandonner? Tout de ce monde que tu considères comme réel. Et le fruit de la volonté immuable. Si elle venait à s'éteindre, aucun autre mortel ne pourrait y survivre. Néanmoins, si les regrets torturent toujours ton âme, il te faut peut-être réaffirmer ton choix. Sois témoin de tes propres yeux, ou des yeux d'autrui. De la destinée de ce monde. Tu aspires à déconstruire la volonté du monde, tout comme moi. Sais-tu seulement ce qu'il adviendrait de ce monde si j'ai rencontré un tel destin? Il deviendrait erratique, fragile. Raccourci objet. Comment ça, je recommence d'ici, je comprends pas. Mais je l'ai déjà vaincu, je dois le revaincre? Ou alors... qui régissent ce monde.
Je peux absolument rien utiliser. À mon avis, on doit pouvoir utiliser un objet. Donc il doit y avoir un truc qu'on doit faire pendant ce temps-là. Ça au cas où. Voilà. Je réfléchis, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose autour que... Quelque chose qui est sur l'arène que j'ai pas vu ? J'ai plus beaucoup de fortifiants rusty patate. Je peux rien y faire. Fortifiant au caviar. Où est-ce qu'il est? Elle est au-dessus. Eh oui. Ton souffle du dragon n'est rien face à mon bouclier divin. Il va pas se reposer pour que je m'accroche à lui ? Allez, vite, vite, vite.
Allez, allez. La caméra, hein, quand tu veux. Prenez ça, voilà. Oh ! Merde, j'ai pas réussi. Merde, t'as pas réussi à m'accrocher. De bouger dans tous les sens, bordel. Allez, mon salaud, tu vas tomber. Tu remeurs. Une impression de déjà vu. Je comprends rien.
Je ne comprends pas. Encore la même chose ? Il va re-être là-bas ? Soignons-nous. Je me lève et je me rassois. Wow. Attends une seconde, et si j'utilise l'épée divin sur le dragon? Et oui, il est mon épée divin. Il est là. Oh! Je vois la réponse de ton regard. Tu espères déconstruire la volonté du monde, tout comme moi. Et oui, c'est vrai que si l'insurgé ou le dragon meurt en même temps, si les deux meurent en même temps, du coup ça brise le cycle. Non, n'approche pas. Je vous conjure, repartez. Partez tant qu'il a encore temps. Tu t'es égaré, insurgé. Pour quelle raison dois-je te rappeler qu'il y a un monde auquel tu appartiens? Là-bas, ton rôle est de vaincre le mal se dressant sur ton chemin et de gouverner le peuple en tant qu'archimonarque. Car c'est là ta raison d'être. Et mon souhait est que tu vives cette vie pleine de sens. Il est temps pour toi de t'en retourner. Va, mes enfants t'escorteront. Entrons chez nous ensemble. Dans un monde sous votre juste règne. Dans un monde qui est tien.
Non. Est-ce là ta volonté? Vois alors un monde sans pitié, privé d'une main bienveillante pour le guider. Dragon Zogma 2. Oh. Cela te semble étranger. Vous avez été témoin du monde laissé pour compte. Cela te semble étranger, c'est pourtant ton monde, celui dans lequel tu espérais tant retourner. Si seulement tu avais choisi de devenir un cher monarque, une fois les épreuves surmontées, tu aurais pu régner sur cette terre dans une paix éternelle. Mais ce monde aux possibilités infinies n'est plus. Tu te tiens actuellement sur ces restes, les vestiges d'un monde qui aurait pu être tout autre. D'innombrables volontés ont permis de sauver ce monde de l'extinction au fil des âges. Tu es le seul à avoir refusé d'accomplir ce grand dessein. Devant toi se tient la conséquence de ton inaction. Vois. Tout va prendre fin. Comme il n'a pas été choisi et qu'il ne le sera jamais lu, ce monde cessera sous peu d'exister. Bientôt, la faucille de l'oubli fâchera tout ce que tu as jamais connu. Je te suggère de ne pas gâcher ces derniers instants. Explore les restes de ce monde tant qu'il en est encore temps. Ainsi finiras-tu peut-être par apercevoir la vérité et par comprendre la misère d'un monde indigne d'être raconté. Le supposeras-tu? Parviendras-tu à endurer ce monde laissé pour compte et sans protection? Un porte-cristal de plus. Eh bien, dis donc. Partez à la recherche de votre fidèle Pluon, que vous n'avez pas vu depuis votre combat contre le dragon.
J'ai bien fait de changer de classe, hein. Hop là. Et voilà. Une chimère fatiguée là-bas, non, dis donc. Hop. Et j'ai envie de me battre contre. Elle est pas pareille la chimère. Hein. Oh hi. Couper la queue du serpent. C'est très très bien. Ha! Ouais, bah là, parfait. Ah, une transpire. Maintenant, ce qu'il faut faire au rayon rouge. Je suis où, bordel? Ah, je suis là. Faut que j'aille par là. Je vais chercher d'abord mon fidèle compagnon. Ensuite, j'irai voir ces lumières rouges. Aïe. Voilà, terminé. Hop, voilà. Aïe.
Et merde. Oh zut. Comme ah, raté. Voilà. Alors je suis par où là? Je suis par ici. Faudrait que j'aille à droite. Parce que si je passe par là, ça me rallonge trop. Allez les filles, s'il vous plaît. Wow. Aïe. Non, oui, non. Voilà, parfait. Coulé. Je peux pas si. Pour essayer de manger un petit peu de pavé de bête fini. Si j'en ai. Parce qu'il me semble que j'en ai. Ah merde. Et oui, c'est Bulma qui a le matériel. Finaise. Et j'aurais pu donc finir le jeu et ne jamais voir ce côté-là du jeu. Hein. J'aurais pu très clairement me mettre sur le trône et attendre. Heureusement que j'ai eu cette idée d'épée divin à la con. Là. Allez. Droite, droite, gauche, là devant, ah dans la fontaine, ok. Hop, vraiment pratique ce talent. Alors, ah elle se trouve dans le temple. Mais où un pion pourrait-il aller ainsi abandonnant son maître?
Peut-être là aussi l'œuvre de... Vous êtes à l'insurgé, n'est-ce pas? Mais oh, qui vous croyez déjà 6 pieds sous terre. On m'a chargé de vous informer que le seigneur Fésus sollicitait votre présence à l'Institut de Recherche Occulte. Libre à vous, cependant, d'accéder à, ou non à sa requête. Ah. Nous irons voir. Je voudrais bien savoir ce qu'il me veut. Ah là. Ah, je l'avais manqué, il était si proche. Bah, c'est plusieurs fois devant, quoi. Institut de recherche, d'accord. C'est donc un institut de recherche que je dois aller, de toute façon. Mais c'est bizarre que j'ai accès encore aux autres pions, mais pas à la mienne. Vous l'avouez, c'est très bizarre. C'est imprudent de continuer sans lumière. Ah, Surgé, toujours en vie, est-ce que je vois? Toi aussi. Je m'en doutais un peu, étant donné que votre pion existe toujours. Peut-être celui-ci maintient-il son existence grâce à votre énergie vitale? À moins qu'il s'agisse d'autre chose. Quoi qu'il en soit, nous devons faire le point sur la situation. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez savoir? Bah, que se passe-t-il? Une question légitime. Vous avez sûrement dû remarquer que la fin des temps était proche, n'est-ce pas? Après que le dragon rouge et vous avez disparu, les mers se sont élevées et englouti les cieux. Et un mois après ce jour funeste, un nouveau cataclysme s'est abattu sur nous. Une armée de dragons est descendue des cieux pour nous attaquer tous crocs et griffes dehors. Luz, la prophétesse, m'a convoqué avant votre arrivée. D'après ses dires, Melv et ses alentours sont déjà la proie de ces monstres. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le reste du royaume ne subisse le même sort. Et qu'en est-il de mon pion? J'ai trouvé la pauvre créature évanouie en bord de route, près de Batal. Reconnaissant qu'il s'agissait de votre pion, j'ai décidé de le prendre sous mon aile. Je me suis dit que le pion de l'insurgé était peut-être la clé pour comprendre toute cette folie. Hélas, j'ai tout essayé, mais impossible de le réveiller. Peut-être réussirez-vous là où j'ai échoué. Après tout, vous obéir est sa raison d'être. Vraiment, dans ce cas, à moi de vous poser des questions. En votre absence, j'avais espéré que votre pion pourrait me fournir quelques informations. Mais maintenant que vous êtes de retour, je vais pouvoir entendre la vérité de vos lèvres. Dites-moi, insurgé, que vous est-il arrivé au cours de ce dernier mois? Blablabla. Ainsi, après avoir plongé dans la mer avec le dragon, une mystérieuse présence s'est révélée à vous. Se pourrait-il qu'il s'agisse de l'œil du monde? Et pourquoi une telle entité en errerait-elle en ces profondeurs insondables? Je ne peux que spéculer. Et c'est ce que je vais faire. Ça devrait être un bon point de départ pour mon enquête. Je vous remercie. Si vous parvenez à rompre l'interminable sommeil qui frappe votre pion, celui-ci est bien évidemment libre de retourner à vos côtés. Bah, j'imagine bien. Parce que tu l'as sauvé qu'il est à toi. Oh, maître. Combien de temps ai-je sommeillé? Bien trop longtemps, semble-t-il. Mais soyez sans crainte, maintenant que je suis éveillé, je vous suivrai partout où vos pas me vous mèneront. 30 000 et 1000 essais. Sir Fulvio, l'artiste qui a employé Sir Clerc, habite à Battle et nous aussi nous allons. Qu'est-il arrivé au monde si seulement quelqu'un pouvait nous expliquer cette folie? Mais ça, on s'en fiche.
Rendez-vous au temple des profondeurs et parlez à Rotaïs. Ah, je peux donc aller là-bas. Un porte-cristal du Havre, et du coup, en fait, cette mer qui nous gênait à la base pour aller du Havre ici nous y emmène directement. Bah oui, ça ouvre de nouveaux chemins. Très bien, allons-y. Hop. Quelque chose d'écrit ici. Oui. Comme à peu près partout. Ça, mina mina, hé hé. Waka waka, hé hé. Oh, so yaba. Tellement que j'y pense. Oui. D'accord. Très bien, Bulme. Que je revienne. Bah oui. S'il vous plaît, bougez-vous. Il y a une lumière rouge juste en face. Examiner. Attendez une seconde. Avant d'examiner, on ne sait jamais. Je vais aller acquérir des nouvelles compétences pour ma petite pionne. Alors. Tir groupé S, tir circulaire S. Œil de lynx. Ouf. U de flèche. Ça peut être bien. Tir explosif, tir huileux. À place de tir circulaire, j'avoue que ça peut être bien. J'en ai trouvé que 4. Cadeau d'adieu. Doigt de fée. Hop. Alors, des talents. On n'est pas en posture de combat. Augmente votre endurance max. Voilà. Merci bien, de rien. Non, je croyais que c'était cette lampe à faire tomber, mais non. Peut-être que c'est au-dessus ici. Où est-ce qu'il est son truc? J'entends, mais je le vois pas. Peut-être que c'est au-dessus ici. Ah, c'est par là encore. Oh, un éclat de pierre. Ça. Ah, il y en a encore un. Arrête. Ah. Encore un éclat de pierre. On fait des pierres de réveil, n'est-ce pas? Voilà. Encore un éclat de pierre? Bah dis donc. Très bien, au moins ça c'est fait.
coup, c'était bien... de ce côté-là. Ouais, c'était bien ça, du coup. Ok. Moi, j'en suis sûr. C'était bien ça. Alors... pouvons-nous améliorer... c'est fait quoi déjà ton amélioration, toi? Renforce grandement la force et la défense. Épée de feu sur la magie. Hop. Ah oui, le laser rouge de fou. Je suis fou, là. Nous avons quoi comme classe, du coup? Faisons un peu le point. Une archère, un chevalier, un mage. Et au niveau du statut... elle est que rang 4. Bon, on va quand même aller dormir vite fait. On va dormir jusqu'au matin. Et donc c'est bien une bien jolie maison que tu as là, très loin de ce que je m'étais imaginé. Je suis venu faire un saut pour te remettre un petit quelque chose que j'ai trouvé lors de mes voyages, mais je repasserai peut-être un de ces quatre pour une visite en bonne et due forme. Entendu, Ragnel. Ah, il est... du coup il vit encore, il m'en veut pas. Allons poser les affaires qui me servent à rien. D'abord, alors... pourri, pourri. Ouais, tout a pourri, quoi. Ah, zut. Ça, c'est embêtant. Mm-hmm. 118. Waouh. Ok. D'accord. Très bien, ça, on peut pas le jeter. Très bien. Oups. Pouvons-nous refaire des fortifiants de rusty patate? Oui. Ah, on peut en faire qu'un seul, quoi. Ah, puis après, sinon c'est la merde. Hein. Oh. Ah tiens, d'ailleurs, on peut remettre des flèches explosives. Ah, voilà, Bulma. Et ensuite, que pouvez-vous nous faire d'autre? Voilà. Hop. Très bien. Voilà. Transforme la viande séchée en viande, en fortifiant de viande. Dormir jusqu'au matin. Peut-être en dessous le truc qui sonne. Il me dit pourtant qu'il est par là. Peut-être sur un drap. Sur le toit de quelque chose? Je sais pas. Ah, peut-être ici. Absolument rien. Peut-être au-dessus là. Mmh.
Peut-être une insigne de quête. Où est-ce que tu sonnes? Je vois rien. Hein. Rien sur le truc au-dessus là, non, y a rien. Y a rien, absolument rien ici. Attends, est-ce que c'est bien pas à droite? C'est devant encore. Putain, je l'entends de si loin. Ah, ça y est, je le vois. Vu. Enfin. Je t'ai eu. Aïe. Tout va bien. Ah, il y en a encore un. Encore une signe de quête, à gauche. Gauche. C'est là. Comment je fais pour aller là? Obligé d'aller au-dessus là. Hop. Voilà. Oh non! Blip. Tout va bien. Everything is fine. Restons calmes. Très bien. Encore? Ah, il y en a un là. Mais il y en a plein ici. Aïe. Hop. Encore? Mais non. Ah ouais, il y en a là-bas. Voilà. Il y a un petit bord là. Ou alors. Ah, oh, raté. J'espérais tomber dessus pile poil. Essayer de passer comme ça. Non. Alors attendez. Est-ce que j'ai mal visé? Allez, ah, s'il te plaît. Mais non, j'ai mal visé encore. Ah, zut. Je suis sûr que si je vise bien, je peux monter dessus comme ça. Là, il est au centre de l'écran. Zut. Prot. Le bic. Comment je pourrais faire sans... À part en étant en mode voleur, ouais, mais... Bon, bref, tant pis. Écoutez. J'aurais essayé. Il y en a une qui était énervée, hein, quand t'es parlé.
Alors, il faut que je passe bien par là. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me TP à côté? Ouais, j'ai bien. Ouais, mais on peut y aller à pied, on peut y aller à pied. Ça, c'est juste à côté. Bah, c'est pas non plus l'autre bout de la planète, quoi. Hop. Hop. Ah mais j'ai pas fait la ligne rouge qui était au milieu. Attends, mais elle a bougé, non? Ah non, elle a pas bougé. Bon, je vais aller la faire, je vais aller l'examiner. Je vais faire d'abord ça et ensuite je vais aller à la mission. Je veux savoir ce que ça fait la ligne rouge. Est-ce que je peux la transformer en bleu? Est-ce que ça me fait un défi? Je comprends pas. Voyons voir. Alors examinons. Dégainer le fléau divin. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu le ciel s'effondrer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je doute que vous aviez pu manquer ça. Partout où le ciel s'effondre, un dragon apparaît peu après pour répandre le chaos sur les terres. Et moi, c'est ce que je pensais après ce qui est arrivé à Melve. Pourtant, la situation semble différente ici. Sommes-nous sauvés ou simplement en sursis? Je dois examiner cette créature. Elle peut être la clé pour découvrir les origines de ce cataclysme. Elle m'emmène quelque part? C'est comme le Kraken quand tu vas dans l'eau. Peste, impossible d'avancer. Fallait s'y attendre, le chemin vers la connaissance est toujours semé d'embûches. Des monstres invoqués par cette bête, probablement. Ils sont pas si puissants que ça. Où est-ce que tu veux aller? Tu veux m'emmener quelque part, c'est ça? Il y en a dans toute la ville.
Ok. Va s'en débarrasser alors. Ok. Wow, wow, wow. Pardon pour le coup dans le micro. Ça semble être le seul excès grimpon. Putain, on est devenu allié par la force des choses, quoi. Voilà. Raté. Oh mince. Ah, il y en a plein qui ont pop derrière. Venez donc. Oh. Ah, donc j'aurais traversé, les monstres étaient encore là-bas. Quel accueil, pourvu que le pire soit derrière nous. Où est-ce que tu vas aller exactement? Je comprends pas là où tu veux aller, pourquoi tu y vas. Comment tu sais qu'il faut aller là? Je comprends pas là. Des pluies de météores maintenant. Ok, tout le monde est là. Hop, voilà, terminé. Raté. Zut. Quand tu veux, fais juste pour me dire ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Tu veux passer par de l'autre côté de la créature? Oh merde. Produit. Aïe. Allez plus vite, Phésus, bouge ton cul.
Je veux que tu bouges ton corps, je veux que tu bouges ton corps, baby. Tu bouges ton boule, tu bouges ton boule. Bouge ton boule. Hey, alors qu'est-ce que tu vas faire? Ta queue est à moi. Quoi? Elle ne peut pas te sortir de son contexte. Merde. Ah c'est ça, il veut passer de l'autre côté de la créature. Le voilà, le dragon à l'origine de cette origine. Enfin, l'origine de cette origine. L'origine de cette destruction. Ah mais c'est un sort de zone qu'il a autour de lui, c'est... il n'y a pas de derrière ni de devant. À quoi ça a servi qu'on ait fait le tour? Bordel. Ok. Tu fais tes choses? Pourquoi le sort en a-t-il été décidé ainsi? Quelle créature singulière. Est-ce elle qui a ramené les monstres? J'adorerais pouvoir la capturer et la ramener à l'institut. Elle pourrait nous apprendre bien des choses. La fiole de scellement, elle pourrait fonctionner? Non! Mais... Je suis bête! Oh merde, le jeu a planté! Oh là là! Non, j'ai coupé le jeu volontairement. Parce qu'en fait, je pensais que je devais le... Je pense qu'il faut que je le mette dans le fiole de scellement. Et je pensais que je pouvais le prendre dans les mains sans risque, mais apparemment non. J'ai vu un avenir. Où j'ai tout cassé. Oh mince alors. Allez, on relance le jeu. Voilà. Chargé depuis le précédent combat. Est-ce que ça va suffire pour pas que je sois trop loin? Ah, et donc en examinant là. Puis-je prévenir les gens? Je peux pas les prévenir, bien évidemment. Bah oui, parce que ça s'est jamais passé, donc forcément. Bah je vais examiner, hein. Est-ce que j'examine tout de suite ou pas?
D'accord, on voit des points rouges partout. Est-ce que j'ai ma fiole de scellement? Elle possède l'étrange capacité d'aspirer les gens, permettant ainsi de faciliter les transports. Et transporter. Bon, ben je reviens tout de suite, les amis. Je vais faire une petite pause. De quelques minutes. Et je reviens. Voilà. En attendant, je vous mets le statut de mon perso, voilà, vous lisez comme vous voulez. Allez, à toutes. Ou disons plutôt qu'on passe le... Ou... On va faire ça, on va dire plutôt ça. On passe au... à l'épisode suivant dans quelques heures pour moi, comme ça j'ai le temps de me faire une petite pause. Peut-être que je ferai demain matin pour moi. Bref. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Hein? Au prochain épisode. Tchou tchou!